Depuis l'Antiquité, Chypre est le point de rencontre entre l'Est et l'Ouest. C'est l'île où est née l'Aphrodite d'Homère, le lieu où ont fleuri de grandes civilisations, laissant des marques indélébiles sur les habitants de l'île, leur mode de vie, leur art et leur conception de la vie. Ce patrimoine remonte à l'aube de l'histoire. Pendant plus de 8000 ans, le Chypriote a appris à vivre et à créer dans ce coin le plus oriental de la Méditerranée. De nos jours, Chypre est un pays économiquement développé et un membre de l'Union européenne. Les modes de vie rapides, ainsi que les changements sociaux et économiques, ont transformé une société rurale sous-développée en un État indépendant, moderne et développé. Ces changements n'ont cependant pas influé sur le caractère du Chypriote d'aujourd'hui. Le bien-être et la prospérité ont permis au peuple de Chypre de bénéficier de tous les avantages et conforts offerts par la société de consommation contemporaine. Malgré ses petites dimensions et sa faible population, ne dépassant pas 700 000 habitants, Chypre est un pays doté de cohérence et de valeurs sociales qui ont résisté aux épreuves de la vie moderne. Les Chypriotes sont expressifs, sociables, laborieux, mais ce sont avant tout des gens hospitaliers et de cœur. Ils participent passionnément à toutes les manifestations sociales et profitent de chaque minute de leur temps libre. Pour le Chypriote contemporain, la vie est une recherche constante de joie et de bien-être. Mais il sait en même temps qu'il devra travailler dur pendant la plus grande partie de sa vie pour y parvenir. L'éducation joue un rôle important dans le façonnement du caractère chypriote. L'effort d'apprentissage commence dès l'âge préscolaire et continue à travers les années d'école primaire et secondaire pour culminer finalement dans les établissements d'enseignement supérieur. Il convient de noter que 60% des élèves sortant des écoles secondaires poursuivent leurs études à un niveau plus élevé dans les établissements d'enseignement supérieur de Chypre ou dans ceux d'autres pays. L'Université de Chypre est la pierre angulaire de l'enseignement supérieur de Chypre. L'objectif de l'éducation de Chypre à tous ses niveaux est non seulement de répandre le savoir, mais également de faciliter l'intégration des jeunes dans la société en aidant ainsi à façonner de bons caractères. Par le biais de diverses activités scolaires, telles que l'art et la musique, les enfants apprennent à respecter et à aimer leur prochain et l'environnement. Cela pose les fondations en vue de former des personnalités appropriées permettant aux jeunes de devenir des citoyens adultes actifs. Grâce à la soif d'apprendre du Chypriote, Chypre possède aujourd'hui une main-d'œuvre hautement qualifiée dans tous les secteurs de l'économie. Le Chypriote moyen est un travailleur productif et consciencieux, et le chômage est pratiquement inexistant. Le niveau de formation élevé des Chypriotes contribue sensiblement au maintien d'une performance régulière de l'économie que chaque Chypriote considère comme la fondation d'une société saine. Chypre est un pays doté d'une industrie du tourisme développée et une grande section de la population active est employée dans ce secteur de l'économie. Outre le soleil, la mer et la fine cuisine méditerranéenne, l'excellente infrastructure touristique fait de Chypre une destination attrayante pour les millions de touristes qui visitent l'île chaque année. Mais le plus grand charme de Chypre réside dans l'hospitalité de ses habitants.
La convivialité et la gentillesse sont des caractères héréditaires des habitants de Chypre. Dans une île qui accueille les visiteurs étrangers, cet atout se traduit par le fait qu'une grande majorité de visiteurs y reviennent d'année en année. L'hospitalité signifie pour le chypriote bien plus que de savoir comment servir un plat spécial. C'est avant tout le véritable sourire de son âme. Bien que cosmopolite, le chypriote contemporain n'a pas perdu le contact avec ses racines et le mode de vie traditionnel. En dehors des centres urbains, dans les villages, à la campagne, la vie semble parfois ne pas avoir changé du tout. Dans le café traditionnel du village, le propriétaire sert son café et les villageois dégustent toujours leur bière sous le soleil printanier. Les femmes exposent avec fierté leur dentelle traditionnelle, un art qu'elles ont hérité de leur grand-mère et qu'elles sont bien décidées à transmettre à leur petite fille. Les habitants saisissent chaque occasion pour s'amuser au son du violon et du luth. Pour leur survie, les communautés rurales de Chypre comptent sur la solidarité entre leurs membres. Bien que la plantation de la vigne de la façon traditionnelle ancienne se fasse de plus en plus rare, il convient de noter que pratiquement tout le village, les hommes aussi bien que les femmes, participent à ce processus. La relation du chypriote avec la viticulture et le vin est étroitement liée à l'histoire millénaire de l'île elle-même. Même de nos jours, les vendanges sont un événement social important auquel participent tous les membres de la famille. De nos jours encore, chaque famille produit son propre vin spécial, tandis que certains métiers traditionnels liés à la production vinicole, tels que ceux des fabricants de tonneaux, continuent d'exister. Le vin est synonyme d'amusement pour les Chypriotes et le Festival du vin, organisé chaque année, donne lieu à de véritables réjouissances. Le Chypriote a toujours été étroitement lié à sa terre. Autrefois, comme il vivait sur une île ayant peu de communication avec le reste du monde, il comptait presque uniquement sur la terre pour nourrir sa famille. Malgré l'amélioration impressionnante des communications à l'heure actuelle, l'ouverture de nouveaux supermarchés et l'importation de marchandises du monde entier, le chypriote continue de cultiver sa terre et de produire lui-même une grande partie des produits agricoles essentiels. Le labourage de la terre sous le soleil méditerranéen brûlant est un travail difficile et laborieux. Mais pour de nombreux chypriotes, aucune récompense n'est plus grande pour ce labeur que le fruit que leur offre notre mère, la terre. Même aujourd'hui, de nombreux chypriotes préfèrent acheter des légumes et des fruits frais dans les marchés traditionnels. Peut-être les courses ne sont-elles pour eux pas simplement une corvée, mais plutôt une sorte d'événement social, une occasion de rencontrer des amis et de socialiser avec les gens en général. Les Chypriotes continuent de célébrer méticuleusement leurs fêtes et leurs événements traditionnels. Le lundi vert est toujours une occasion pour le Chypriote de se rendre dans les champs avec sa famille et de profiter pendant un moment de la beauté naturelle de Chypre. Bien que la majorité de la population vive dans les centres urbains, le contact fréquent avec la nature est nécessaire pour le Chypriote, particulièrement quand il est associé avec des plats traditionnels délicieux comme la souvla, la viande à la broche. Les bons repas sont pour les chypriotes un ingrédient indispensable de la joie de vivre et le plaisir représente une partie essentielle de la vie quotidienne.
Les réjouissances nocturnes, les danses et les chants sont des formes habituelles de plaisir se prolongeant souvent jusqu'au petit matin. La nature enjouée des Chypriotes s'exprime tout particulièrement pendant les carnavals traditionnels. Elle est une expression effrénée de gaieté et de joie à laquelle tous, enfants et les adultes de toutes les classes sociales, prennent plaisir à participer. Les carnavals offrent un bref répit, loin des pressions quotidiennes. Ils sont également un moment où les Chypriotes peuvent se détendre en s'amusant, en racontant des blagues et en se moquant les uns des autres. La danse et le chant jouent un rôle prédominant. Le Chypriote contemporain est également profondément religieux. La foi chrétienne orthodoxe représente une partie significative de sa culture, son existence même. L'Église a été pendant des siècles son refuge spirituel dans les moments difficiles de sa vie. Sa foi profonde en Dieu l'a protégée, lui a donné de la patience, du courage et de la persévérance, ainsi que l'amour et la compréhension pour son prochain. Les cérémonies religieuses et les traditions ecclésiastiques, scrupuleusement respectées, sont restées inchangées tout au long des siècles. Le mariage et la fondation d'une famille constituent les institutions sociales et religieuses les plus importantes de la société de Chypre. Pour cette raison, les cérémonies de mariage et de baptême sont les moments les plus heureux de la vie de chaque Chypriote. Une autre caractéristique des Chypriotes est leur préoccupation profonde et sincère pour leur prochain. Plusieurs campagnes de collecte de fonds et des manifestations de bienfaisance ont lieu chaque année pour recueillir des fonds en faveur des personnes défavorisées. À chaque occasion, les Chypriotes donnent généreusement, même les pauvres. Les fonds sont utilisés pour soutenir les fondations qui s'occupent des personnes ayant des besoins particuliers ou des problèmes de santé. L'argent est également acheminé vers les associations caritatives. Chypre, située à l'extrémité la plus orientale de la Méditerranée, garde toujours ouverte la fenêtre vers la culture européenne. Tout en respectant et promouvant sa propre culture, le Chypriote d'aujourd'hui est très réceptif aux cultures d'autres peuples. Avec la participation d'ensembles étrangers, des dizaines de manifestations culturelles et artistiques sont organisées chaque année, dont certaines suscitent un intérêt international. La préservation du patrimoine culturel revêt une importance primordiale pour le Chypriote. Il s'agit d'un patrimoine d'une immense valeur esthétique qui remonte à l'Antiquité et témoigne de l'histoire turbulente de l'île. En plus de l'architecture traditionnelle, habilement préservée dans les bâtiments modernes,
L'art populaire et l'artisanat constituent une partie inséparable du patrimoine culturel chypriote qui a été préservé par les habitants de l'île, lui permettant ainsi de survivre tout au long des siècles. De génération en génération, les Chypriotes ont veillé à préserver non seulement le secret de cette tradition, mais aussi le savoir et la sagesse populaire qu'elle reflète. Bien que les changements dans les besoins de l'homme relèguent progressivement ces formes traditionnelles d'art à l'arrière-plan, les Chypriotes sont parvenus à sauvegarder et à faire renaître une grande partie de ce patrimoine. Située au carrefour de continents et de civilisations très anciennes, Chypre est dotée d'une nature d'une grande diversité. Avec l'aide des habitants créatifs de l'île et dans le domaine de son histoire millénaire, les Chypriotes ont préservé une culture d'artisanat et un art populaire remarquable, constituant l'une des expressions les plus spontanées de l'existence humaine dans cette île. Chypre a été tout au long des siècles le carrefour où l'Occident rencontre l'Orient, le point de rencontre de grandes civilisations qui ont laissé à leur tour leur marque indélébile sur les habitants de l'île, leur manière de vivre, leur art, leur façon de penser ou leur façon d'exprimer leurs sentiments. La société chypriote contemporaine sait très bien que les visions d'un avenir meilleur reposent sur la civilisation, sur les chants et les danses que lui ont légué leurs ancêtres au fil des siècles.